Alors, on va enchaîner avec les exercices 27 et 28. Là, on vous demande des justifications. Alors, l'exercice 27, justifiez que le quadrilatère VOLE, ce quadrilatère-là, VOLE, il faut justifier que c'est un parallélogramme. Alors, pour justifier que c'est un parallélogramme, on va utiliser les longueurs des côtés. On voit ici que VE, d'après le codage, égale OL, et que VO, d'après le codage, égale EL. Donc, les côtés opposés sont 2 à 2 de la même longueur. Donc c'est un parallélogramme. Mais il faut l'écrire. Quand on dit justifier que c'est un parallélogramme, il faut écrire la justification. Donc VOLE est un parallélogramme car. Alors je vais écrire VE égale OL et VO égale EL. Car VE égale. Or, si les côtés opposés d'un quadrilatère, si les côtés opposés d'un quadrilatère sont 2 à 2 de même longueur, là on voit que
diagonale se coupe en leur milieu. C'est pour ça qu'on peut affirmer que c'est un parallélogramme. Donc pourquoi peut-on affirmer que le quadrilatère est un parallélogramme? Car ses diagonales se coupent en leur milieu. On peut affirmer que c'est un parallélogramme car ses diagonales se coupent en leur milieu. À chaque fois que les diagonales se coupent en le milieu, ça c'est égal à ça et ça c'est égal à ça, alors c'est un parallélogramme. En déduire la longueur du segment CU, ce segment, en justifiant. Alors, clairement, puisque TRUC est un parallélogramme, alors CU sera la même longueur que TR, parce que les côtés opposés sont de même longueur. Donc CU, ça sera 4,3. Mais il nous demande de justifier, donc on va écrire un peu, je vais faire ici, donc oui, la question 2. Alors, en déduire la longueur CU, alors, TRUC est un parallélogramme donc ses côtés opposés sont égaux ou de même longueur, c'est mieux de dire de même longueur. Le truc est un parallélogramme, donc ses côtés opposés sont de même longueur, donc CU égale TR, donc CU égale TR égale 4,3 cm. Voilà pour les exercices 27 et 28.